J'ai toujours pas trouvé Rose. Où est-ce que Miranda l'a emmenée? Tu arrives trop tard. Ou tu as failli arriver trop tard. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, et bienvenue. Bienvenue dans Resident Evil. V, bâton. Bâton, Resident Evil MILF. Il me faut vraiment un mod qui remplace le titre par MILF, comme ça en gros. Avec Ethan Castellanos. Pam, 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 pam. Olé. Hola. Aujourd'hui, la dernière fois, nous avions fait un ménage total et intégral dans tout le village. On l'avait ruiné, on l'avait retourné comme une crêpe jusqu'à ce qu'il nous supplie. Voilà, c'est pour ça. Et on s'était arrêté, enfin moi je m'étais arrêté dans l'église pour sauvegarder. Et on avait découvert quelque chose d'assez perturbant dans l'église. Mais voilà. Qui était de la technologie roumaine. La technologie roumaine. Avec un ordinateur d'une stabilité incroyable. Ça fait pas du tout mal aux yeux. Oh là 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 là. J'avoue, c'est stylé. Hein. Et je regardais les photos. Et donc là, il y a Moro. Là, il y a Moro. Là, il y a la morue. Là, il y a. Là, il y a Tataillé. Donc, personne ne va comprendre cette référence. Et là, il y a Frankenstein. Très bien. Allons-y. Dérogation 09-02-21. Arrivé sur les lieux. Aucun signe de Evan Winters ou de Rose Marie Winters, j'imagine, c'est moi. Ou Ethan Winters, pardon. Infiltration du village. Affrontement avec plusieurs armes biologiques. Découverte de preuves de la présence de Ethan Winters. Rose Marie Winters est introuvable. Base établie dans l'église. Plan opérationnel. LBTKK9. Fouiller le laboratoire. NIE. Analyser les échantillons de moisissure. Alpha. Infiltrer l'usine. C'est le BSA? C'est le BSA qui traîne? D'accord, bon bah ok. À mon avis, on devrait pouvoir retomber sur Chris. Et ça, c'est bien. Parce que ce petit enfoiré... a assassiné notre partenaire des sexes. Et ça... ça, c'est un crime. Un crime terrible. Allons-y. Voyons voir. Voilà, c'est débrouillé. Donc ça, ça mène au manoir. Ah bah c'est juste le gros lard. Ah bah ça va. Oh là 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 là, le mec se refuse de rien. Il me fait penser à Bender dans l'épisode de Futurama où Bender il a un corps. C'est la même. Sur lui qui se masturbe. Un mort. Un cadavre. Des poupées pendues. Bien tentarlo. Malheureusement, je ne vais pas me laisser avoir par des piñatas ridicules. Oiseau. Oh, il drop! Très bien, donc c'est censé être le moment Spoopy. Ok, ben Spoopon. Aha! De quoi faire un tour au cas où on est poursuivi, ok. Je retiens. Attends, c'est pas par là? Je suis pas perdu aussi vite. Ah. La poussette des bons bébés. Oh mon dieu, un bébé dépioté. Écoute, je vais te laisser là-dedans, hein, et tâche de te faire une amie, elle a les mêmes problèmes que toi. Oh mon dieu. Une construction étrange. Une technologie supérieure, sans doute roumaine. Ouais. Ha
une biquette. Ethan. Quoi? Ethan, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Mia? Mi amor! Qu'est-ce qui se passe? Reviens, j'ai quelque chose à te faire! C'était un hologramme! C'était une illusion! Elle n'a jamais existé! Fermé? Bonjour. Rose a l'air différente. Ethan, tu dois faire quelque chose. Ah! C'est quoi ce bordel? C'est sans doute le sperme bleu. Tout le monde m'abandonne. Même Rose. Je ne veux pas être seule. C'est pas réel. Je t'avais dit que quand on passait une lumière noire et que t'avais la chatte qui brillait, tout ceci n'était pas... pas très sain. Ah ah, ah ah, muy bien. J'imagine que c'est ma tombe. Ah, Beneviento. 87-96. Oh, elle est morto quand même, c'est triste. Libérée des liens de la chair, elle marche la vallée de la mort. Elle marche dans la vallée de la mort. Stylé. Je deviens fou. Non, c'est juste une hallucination, ça va. Il y a un interphone. Abandonne tes souvenirs. Muy bien. C'est le facteur. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour les calendriers. Et donc Amnésia leur colle pas un procès. Ok. Pas de problème. Oui. Viens avec moi, Ethan. Tu apprendras, ma chère, que je pénètre toujours d'abord, mais je viens toujours en dernier. On est arrivé. Eh bien, ça se refuse rien. Mais c'est de miséricorde. Par contre, c'est pas le bon plan pour se faire livrer avec Uber Eats, hein. On a au moins pour 6 heures pour ton Big Mac. D'accord. Je voulais visiter, mais Ethan ne voulait pas. C'est cossu. Oh, et c'est avec ça qu'elle fait des poupées? Ou de la broderie? De la broderie pour ses poupées, tout s'explique. Mais comment ça fait tic-tac, ça marche pas? C'est pas grave. Pauvre chaton, il a l'air débilus.
c'est muy bien. D'accord. Bonjour. Oh, c'est le symbole des Beneviento. Intéressant. Ah. D'accord. Hall d'entrée, il y a des choses à loot. Madame, aurions-nous trouvé la sixième waifu? Ah, regardez son masque. C'est à la fois la lune et le soleil. C'est le même symbole, en fait, que la maison Beneviento. Ah, oh, c'est intelligent. Elle est à la fois de profil et de face. C'est mignon. Enfin, c'est mignon, non, c'est creepy as fuck, mais c'est mignon comment elle est toute moche, tu vois. C'est pas la septième plutôt, moi je les compte plus. Oh là 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 là, mais ça se refuse rien. D'accord, ça se refuse tout, ok. Rien là, rien là. Oh, quelle misère. Misère, misère. Qu'est-ce qu'on loot dans ce hall d'entrée? Qu'est-ce que je rate? Ah. Mais... Wait! Une biquette! Chier. Pardon, excusez-moi, j'étais distrait. Allons-y. Ah, c'est fermé. Très bien. Bon, j'ai pas réussi à trouver l'objet, c'est pas grave, j'abandonne. On va avancer. Voilà, parfait. Déjà joué à ce jeu. C'est Silent Hill. Trop bien. Sous-sol. Pourquoi suis-je persuadé que c'est une très 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 mauvaise idée? Heureusement, il y a mon fidèle fusil à pompe. Et j'ai aussi une arme. Très bien. Donc là, il y a un bureau avec une salle à projection. Alcaloïde des plantes de montagne. Comment ça, alcaloïde des plantes de montagne? Ça étudiait là-bas. Ça faisait des recherches sur les fleurs. Qu'est-ce que... Viens voir. C'est un tableau électrique, très bien. D'accord, donc ok, ouais, d'accord, bon. Mais au moins le jeu a la politesse d'annoncer, hein. Attention, les plombs vont sauter. Et en plus, comme t'es dans un sous-sol, il va faire noir. Terrifiant. Spoopy. Bob, c'est quoi les alcaloïdes? Tu crois que j'en ai la moindre idée? Oh,
vous êtes. Ok. Ah, et donc là, c'est la... D'accord, c'est elle, en fait. Littéralement, elle est sous le... Oh, il y a de quoi sauvegarder ce coup, ça. Muy bien. Bon, eh ben, allons-y. Ouais. Je t'attendais ici, longtemps. Je ferai une bien meilleure vie que Rose. Dis, tu veux pas rester avec moi pour toujours? Quoi? Merde, où est mon arme? Ah! Madre de Dios. Muy bien, d'accord. Donc, phase cache-cache, allons-y. Ah, c'était pas elle en fait, c'était vraiment un mannequin. Putain, c'est pur stylé. Et moi, je l'aurais bien adoptée, la petite, hein, mais... Anne Chucky, ça va? Une fiancée de Chucky. Bonjour, les dégâts. Okay. Ça marche. Oups. Ok. Je vais le reposer là. Désolé. Heureusement que j'ai vu tout Naruto. Hop. Ah ah ! Une arme secrète ! Ah non, c'est une clé. Il y a eu un avortement. Oh, c'est tragique. Oh. Oh. C'est une photo de Mia morte? C'est terrible. Est-ce que ce mannequin, c'est Mia? Mais oui! Mais oui! C'est une représentation à l'échelle! Quoique... Non, si c'est bon. Si, si, ils ont tout bien représenté. Couverte de sang. Très bien, ça. Ah, c'est une sex doll du Moyen-Âge, hein? My, my, my. Je sais que ça lui plaît. T'aimes ça? Clouc! Oh là 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 là. Tu me diras, hein? Je sens pas bien la différence, hein? Elle faisait pas bien plus grand chose quand il faisait l'amour. Non. Stylé, d'accord. Non, il me faut quelque chose pour couper les bandages. Oui, bien. Il y a un autre truc. Ah. Map. Il faudrait un outil pour la saisir. D'accord. Ok, effectivement, c'est une péloche. Est-ce que je peux la faire parler un peu? Map, 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 map. Ethan, tu veux bien aller coucher le bébé? Ethan, pourquoi t'écoutes du jazz, Ethan? Ethan, on a dit qu'on discuterait plus jamais de ça. Voilà. Et maintenant? Une balle dans le cœur, un bras arraché et une jambe cassée. Hé! Hé, tu fais moi la marine, là! Ouais. Aha! Il manque quelque chose. Ah! Muy bien!
Je crois que c'était ça. Hein. Ok, donc il manque encore le symbole qui va derrière, mais... Je sauvegarde. Voilà, c'est gratuit. Ah. Voilà, c'est débrouillé. Oh, un laboratoire! Excellent, excellent. De l'eau! Important de rester hydraté. Ah. Gros escape game. Très bien. Surveiller depuis l'autre côté, très bien. Très bien. Muy bien. Ça sent le moisi pour mon cul, j'avoue. Rien. Même pas des recherches, là. Rien. Zermi, pourtant j'ai fait le tour. La seule chose qui reste, c'est soit ça, mais j'ai pas les outils. Attends une seconde. Ah ah. 05, 29, 11. Très bien, et ça mène au bout. Ah, pratique. Fort aimable. Oh, des bocaux remplis de je ne sais pas quoi. Des pots, des vieilles serviettes, des bottes. Un papier! Cette boîte à musique est un souvenir de ma vie avec Ethan. Malheureusement, elle ne fonctionne pas. Mais c'est la boîte à disco! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Mais oui, excellente question! Je vois. Ça devrait être bon. Ok. Eh ben, allons-y. Ah, ça balance toujours aussi bien. Je m'en lasse pas. Des pincettes. Une armoire, là il y a une table. Mais comment il a fait pour connaître les trucs? Bah, il y avait des grosses éraflures sur le truc. Il suffisait de faire hors. Enfin, cerveau. C'est un jeu Capcom, hein. Si tu trouves ça dur, c'est qu'il y a des problèmes. Poétique. Muy bien. Mi amore, tu n'as toujours pas bougé et tu ne fais qu'attendre mes ministrations. Allons-y. Ouvre grand. Dites ah. Muy bien. Que tu travaillais pour une organisation super secrète sur un tanker qui s'est échoué en Louisiane, que tu exploitais une pauvre petite fille avec des pouvoirs mutagènes absolument horribles, que tu t'es mis après moi après avoir jamais fait face à n'importe lequel de tes crimes qui étaient extrêmement nombreux, parce que Mia, je vais pas dire, mais entre toi et une nazie, au moins une nazie, elle a des bottes. Enfin.
Où était la salle de projecteur? Bureau. Donc là, tout au bout, gauche, droite, droite, droite. Ok. Les petits bruits de la maison. Les petits bruits de la maison. Bah attends, il est pas là le bureau? Ah si, il est là. Oh là 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 là. Meilleure amie de Rose, elle aime beaucoup cette histoire, ce qui compte le plus pour nous. Un cadeau de mariage offert par grand-mère, la preuve de l'amour éternel des... Le meilleur ami de Rose. El Kiki! Monsieur Kiki! Ce qui compte le plus pour Ethan et moi. Rosemary, bien sûr. Elle aime beaucoup cette histoire. Rose aime beaucoup cette histoire. Donc, le visage des ombres. Le 5, je crois, c'était la preuve de notre amour avec Ethan. Ça devrait être comme ça. Ça marche, là? Allons-y. Mais c'est pas du tout ce qu'il y avait sous le film! Remboursé! Et il est où le petit bonhomme avec sa faucille là, Mediavision? Est-ce que c'est la version. Est-ce que c'est la Snyder Cut? Non. Ah bah très bien, bah faut tester. Ouh! Un passage secret! Madre de Dios! Ouh, un café qui n'est pas intégralement bu. Mais. C'est pas bientôt fini? Eh? Eh? C'est pas fini, ces bordels? Pire que mon chat, hein, la nuit, hein. Ou tu sais, il se met à courir en plein milieu de l'appart et. Comme ça, puis il fait des flips. Muy bien. Oh! Merci, Piero. Fort aimable. Allô? Allô? S'il te plaît, Ethan, écoute-moi. Je ne voulais pas te cacher ça. Mia? Je ne voulais pas te perdre à nouveau. Je ne voulais pas détruire notre famille. Mia, de quoi tu parles? Je vous aime tous les deux. Tellement fort. Je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je le fasse. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, eh? Elle a un amant! Impossible! Je l'aurais su. Je filmais absolument tout. Le bébé n'est pas de moi! Impossible! Et je l'aurais su! Mon sperme était bleu. Il est fait en sorte qu'à la fin, on puisse l'appeler la Schtroumpfette. Il me souviendrait sans doute de notre 149e sextape. Fais-moi Gargamel! Elle adorait m'appeler comme ça. Il manque quelque chose. Oh, un bébé en 3D. Très bien. Ouah, mon ombre. Trop bien. Aha. Tcha, 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 tcha. Classique. Mais tout ceci est mal accroché, hé! Bonjour. Tu fais coucou? Très bien. Alors. Avant ça, j'examine. Qu'est-ce que c'est des poils? Mais...
C'est qu'elle est tout fou, la petite Beneviento. Ça n'est connu, on dirait des ciseaux de GAV. Un médaillon en laiton. Panique pas, Mia, panique pas. Rose Janembu. Tant que j'ai la tête, on peut la coller sur absolument n'importe quoi. Un corps de rat, un corps de singe. Voyons voir. Médaillon en laiton. Oh. Voilà. Oh. Fort heureusement, il est sous immunisé. J'ai déjà joué au chevalier des Baphomet. C'est très les catacombes de Paris. Hein. Spoopy. Spoopy. Une main, un cadavre. Oh non! La clé du tableau électrique. Muy bien. Moi, muy bien. Avoir faim, qu'est-ce que je peux lui proposer à mettre dans son biberon? Rien du tout. Spoopy! Je la reconnais, c'est la sex tape numéro 19. C'est la première fois que Mia a essayé l'anal. Ah. Muy bien, muy bien. Il faut que je fasse le tour. De Dios! Ma qu'est-ce que c'est que ça, eh? Oh le beau! Oh le beau! Oh polo! Oui, c'est bien moi ton papa et tu vas la prendre! Ferme la clé. Petit, 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 petit! Ça. Ah ah ah! Tu ne m'auras jamais! J'ai beaucoup trop joué à Phasmophobia! Fermez la clé. Et le boîtier électrique!
Y a la clé. Hop. Ah, j'ai le bébé en relief 3D. Dieu merci, c'est ouvert. Bonjour, pardon, mes excuses. Et voilà. Oh, toi, tu vas me poser des problèmes, toi. Oui, bien. Eh ben, il va me falloir plus de munitions de fusil à pompe, hein. Quoi, c'est fini? C'est tout? Mais c'est la déception! J'ai même pas eu besoin de me cacher dans l'armoire! Je sais même pas ce que c'est. Tout. Une lit, une armoire. Ah, un fusible! C'est donc ça qui manquait sans que je le sache. Eh, forcément, hein. Forcément. Oh, miséricorde! Il le savait! Olé! Hola! Trop tard, bébé! Je suis caché! Il va me falloir un lance-flamme un peu plus gros quand même, hein. Miséricorde, les voilà. Oh, il est beau, hein. Oh, la belle veille. Surprise. Attrape-moi. Voilà. Ah, merde. Du coup, il a fermé là de ce côté. Du coup, faire le grand tour, atteindre ça, ça devrait passer, j'espère. On espère que ça passe. Après, c'est gauche, puis droite, très bien. Ha! Il est semé, les bébés! Ça passe pas. Ah,
Dios el bebito! Mes oreilles! Ah! Mes oreilles, mes oreilles! Fête des gosses, qu'ils disent! Putain, heureusement que Rosemary, elle est pas comme ça! Je ne peux pas empêcher d'être curieux. Je peux y retourner? Je peux pas y retourner. J'aurais bien voulu savoir ce que ça. Mais cette poupée est possédée! Mais toutes ces poupées sont possédées! Ah bon, j'aurais bien voulu savoir ce que ça fait de se faire manger par le bébé. On fera un test. Oui, bah. Après ça. Petit. Eh ben, ça sent bien, Sissi, eh? Ne pars pas. Je te l'interdis. Ah, toujours en vie, hein? Dépêche-toi! Aïe, 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 aïe! Avant mes amis ne te tuent! Couchez, couchez! Titac! Ta vie est en jeu! Reviens ici, poupée de merde! Essaie de me trouver! Sur la droite! Voilà! Où est-ce qu'elle est? Peut-être à l'étage. Ah, j'ai vraiment une time limite en plus. Quel enfer. Cette poupée est possédée. Ah. Qui était moi? Ah ouais. Pas les dents. Ce sera tellement plus simple si Rose... Saloperie. Ça c'est de l'exorcisme, saleté. Petite, petite poupée, n'aie pas peur. Je suis équipée d'un couteau. Elle avait la bouche ouverte avant, vas-y. Ah, tu as laissé des traces. Petite, petite. Petite, 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 petite. J'ai un gros ciseau. Ah ah! Et tes voix. Rose aussi, tu lui fais ça? Seulement à sa mère! Tu crois que je ne t'ai pas vu? Hein? C'est terminé, il faut te rendre. Je sais comment lever la malédiction. Il suffit de te rier une balle dans le cœur. Tu n'arriveras jamais à sortir d'ici. Je veux que ça rentre. Imbécile. Comment oser faire ça à une pauvre fille? C'est l'heure de ton vermifuge. Ranger les choses. Hein? Ok. Il est temps de quitter cet endroit. Hé hey, je vais pas dire, mais... Ouh, la clé bébé. Septième waifu tué. C'est elle qui faisait tout ça. Et en plus, j'étais même pas conscient. J'étais contrôlé mentalement et à moitié ivre. C'est bien la troisième gonzesse qui meurt alors que j'ai quelques grammes. Angie.
Oh, adorable! Oui, bien sûr, c'est le réflexe. Le réflexe Capcom. Remets la droite. Absolument adorable. Effectivement, tu vois, elle a un visage de lune et de soleil à la fois. C'est cute. Enfin, c'est cute. Non, c'est dégueulasse, mais... Très bien. Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Il y a encore du loot ici. Ah! Les petites... Les petites gambettes de la ninja. Et on a tout! Très bien. Go abattre le fœtus géant. Je pense pas qu'on puisse y retourner. D'ailleurs, je sais même pas s'il était réel ou si c'était pas une hallucination. Connaissant Capcom. Bon. Et ben, c'était plaisant. C'était un petit peu le manoir aux fantômes de Disneyland. C'était un peu spoopy, mais pas trop spoopy. Personnellement, j'aurais rendu le bébé un peu moins bruyant et un peu plus rapide. Enfin. J'aurais peut-être laissé aussi... J'aurais peut-être augmenté la difficulté de cache-cache ou mis un timer, tu vois. Je sais pas. En tout cas, c'était valide. Hein. C'était valide, c'était valide. Ah oui, c'est vrai qu'on doit passer par les cavernes avant d'arriver... ok. Mais décidément... En tout cas, c'était sympa. Petite phase horreur. Par contre, je le dis d'avance, les speedrunners, ça va leur casser les couilles ce moment. Ça va leur casser les couilles. Ah oui, forcément, c'est moins engageant. Il y a quelque chose à mettre là, mais je sais pas quoi. Je peux pas... Non, obligé, c'est un objet clé. Je peux pas mettre de trésor. Et malheureusement, j'ai rien qui marche. Et j'ai même récupéré ma photo. J'ai tout gagné, ça, par contre. Yeah. Cartouche des fusils. D'accord, et j'ai donc maintenant accès à tout le jardin. S'il te plaît, s'il te plaît. Respecte mon intelligence. Zéro panique. Raté. Et un deuxième. Ils sont beaucoup moins dangereux que les loups-garous. Beaucoup moins dangereux que les loups-garous. Mais tu vas où? Ah voilà. Raté. Et voilà. Muy bien, muy bien, muy bien. Bon. Oh, bah qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La boule. Une boule, soleil et lune. Oh, c'est joli. Chier. Chier. Ah, chier. Aïe, aïe, aïe. Je voulais me repasser, j'ai pas pu. C'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute. Là. Parfait.
Grenade, non, peut-être pas nécessaire. Quoique, une petite grenade, hein. Ils sont que deux. J'ai claqué tout mon flingue, toutes mes balles de pistolet sur ces PGU. On y avait plus que deux, non? Et pas un troisième là? Non, d'accord. Muy bien, très bien. Fantastique, une mine, un crochet. Pour ça, on a tout gagné. Ah, de quoi se barricader, lol. Un W770 TAC! Oh! Poder! La pénétration va être maximale. Ce qui veut dire du coup qu'il faut que je finisse mon... Il faut que je finisse les balles de mon fusil d'abord. Il y a un trésor, mais j'ai pas l'objet pour le récupérer, donc ça sert à rien. Voir. Tourne pas le dos plus d'une seule seconde. Ouh, la poupée! On a trouvé les restes de la poupée. Merde, voilà. Boop, tada! Est-ce qu'il faut la mettre sur la tombe du coup? Je pense pas, ça avait pas l'air. Hein. En plus, la tombe n'a l'air de vouloir que des objets clés. Est-ce que c'est un objet clé? Non, c'est un trésor, donc ça ne marche pas. C'est à vendre. Tiens, c'est vide. J'aurais pas cru. Photo d'un oiseau étrange. Où ça? Je l'ai vu pendant une seconde. Ah! Ah bah! Oui! Oui, c'est bien! C'est gentil de m'informer. Zombie. Pas des zombies. La clé du luthier. On a trouvé la clé de luthier, ça c'est inestimable. De quoi sauvegarder, donc ça c'est excellent, mais laissez-moi d'abord terminer. Oh, alors attendez, il y a un autre. Apparemment, il y a rien d'autre. Ok. La boule. Ah voilà. Speed boy, gasoline burning. Putain. Oh là là. Cristal noir dégué. On dit qu'il y avait une lettre. Ah. 10 novembre. Mademoiselle Donna est devenue la fille adoptive de Mère Miranda. Durant toutes mes années ici, j'ai jamais été aussi heureux. Depuis sa tendre enfance, elle a toujours eu peur des autres, peut-être à cause de la cicatrice qu'elle porte sur le visage. À la mort de ses parents, elle s'est renfermée sur elle-même, ne parlant plus qu'à Angie, la poupée qui lui avait fabriqué son père. Je serai éternellement reconnaissant envers Mère Miranda pour son infinie compassion. Bien geste. Mademoiselle Donna a l'air heureuse, c'est sûrement mon imagination, mais même sa poupée Angie semble plus vivante que d'habitude. Aujourd'hui, elle est venue au jardin et s'est servie d'Angie pour discuter avec moi. Nous avons eu une bien belle conversation. Elle n'a cessé de dire que sa mère lui avait fait don d'un pouvoir. Mademoiselle Donna m'a donné des fleurs jaunes qu'elle m'a demandé de planter dans le jardin. Je les ai plantées devant la tombe de Mademoiselle Claudia. Je ne sais pas si c'est à cause du parfum de ces fleurs, mais j'ai été pris de vertige. Puis, comme dans un rêve, j'ai vu ma pauvre femme défunte. J'ai parlé de tout cela à Mademoiselle Donna, qui semblait pour le moins ravie. Elle m'a alors invité à me rendre chez elle demain. Elle m'a dit que je pourrais revoir ma femme encore une fois. Je me demande bien ce qu'elle entend par là, mais son attention me touche. Oh ! Ce jardinier adorable !
Et donc c'était des fleurs hallucinogènes. C'est comme les fleurs... les fleurs des Plagas, les fleurs avec lesquelles on fait le virus T. Il reste des items ici, Xavi. Qu'est-ce que je n'ai pas pris? Ah ah! Des grenades explosives! C'est spécifique. Ouais, c'est sans doute en rapport avec les fleurs progénitores, celles qui peuvent pousser qu'en Afrique. Ça se trouve, elles peuvent pousser en Roumanie aussi. C'est chelou, mais... Ok, très bien. Donc on est plutôt bien. On peut avancer, on peut avancer. On peut aller retourner voir le gros. C'est parfait, ça. Et si on rencontre de l'adversité sur la route, tant mieux. Parce que j'ai un chargeur à vider. Où ça, où ça, où ça? Je les entends, mais je sais pas où. Passons vite. Yata! Bonjour! Bien, bien, bien. Bien, bien. Parfait, un cul-de-sac. Très bien. Et bon. C'est peut-être efficace, hein. Allez, rentable. Rentable. J'aurais même pu commencer par ça, tu vois. L'agent, les. Ok, du coup, il n'y a rien d'autre par ici? Ah non, c'est juste un reflet sur le sol. Des balles de fusil à prendre. Un amas de cristaux, très bien. Nickel. Et ben, il me semble que j'ai fait le tour, hein. Il me semble que j'ai fait le tour. J'ai récupéré les lamas de cristaux. J'ai récupéré toutes les petites cages aériennes là. Oh, une Vivianite! Mazette! Ah oui, c'est vrai. Très bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hey! Aha, aha, aha. Hilarant. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Quel salaud. Attention. À la prochaine fois. Voyons voir déjà ce qu'on peut associer. Je viens complet, j'ai rien à combiner. Non, bah tout est vendable. Tout est vendable, tout est achetable. Amas de cristaux, Vivianite. Votre argent. Oh, la petite Angie. Dommage, j'ai bien envie de la garder. Ah, mademoiselle Angie. Elle est adorable. Les poupées en porcelaine sont très populaires. Absolument. Et c'est tout. Et ben voilà. Atelier, un coup de fouet à mes armes. Ah voilà, mais du coup, il faut que je vende. J'ai du nouveau en stock. Si t'améliores capacité 6 à 6 000 à 7. Combien tu les vends, les balles de pompe?
1000 balles, la balle de pompe. Bon, déjà, on réfléchit pas. Un instant, je vous prie. Voilà, là, il n'y a pas de réflexion possible. Ensuite, ça, c'est intelligent, parce que c'est moins cher que gratuit. Est-ce que t'as des nouveaux items? Non, t'as toujours le pistolet. Ah, tu m'apprends à faire des grenades explosives et aveuglantes. Pas pour les explosives. Ouh! Élément pour arme de poing réduit grandement le recul. Muy bien! Muy bien, muy bien. Obtenir de la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. Ça, c'est pour le tac. Réduit grandement le recul du fusil. Ou est-ce que c'est réellement nécessaire? Tu peux vendre le vieux pompe, non? Bah oui, mais d'un autre côté, si je claque 6000 balles, je me retrouve avec un chargeur plein, mais sans lui acheter de munitions de fusil à pompe. Et même, j'ai une balle en plus, gratuite. Et donc, je peux le revivider, et puis après... Donc là, il y a une offre, en fait. Tu vois? Quoi? Ah, ça y est, c'est terminé. Voilà, j'ai fait ça. Pareil pour le pistolet. Je vous souhaite de faire bonne route. Là, tu vois, il est plein. Et ça, c'est juteux. Bienvenue. Voilà, rentabilité maximale, tiens. Rentabilité maximale. Et derrière, on peut acheter des balles aussi, parce que ça manque. Je vais pas parler mal, mais... Voilà, très bien. Je veux tout. Voilà. Déjà, ça fait un bien fou, ça. Deux grenades, une mine, c'est très bien. La manche pour le tac. Ouais. Ah, vous avez hâte de... Muy bien! Manger, c'est vivre. Avec plaisir. Parfait. Ouh! À la prochaine fois. Miam! Comme on dit dans le métier. Eh ben écoutez, ah oh, et en plus il a ça, c'est fort aimable. On n'a pas récupéré plus d'animaux. Quel gros sac, il est fantastique. Oh là là là. Le mec se refuse rien. Il ne se refuse absolument rien. Grabélix qui s'en bat les couilles, hein. C'est ça qui est qualitatif, hein. Bon, impeccable. Eh bien écoutez, braves gens, je vais arrêter l'épisode pour aujourd'hui ici. On a fait une belle heure, hein, ça s'est bien passé. On a fait tout le manoir Beneviento, on a nettoyé l'endroit, on a buté tout le monde et on est armé encore jusqu'aux dents. C'est ça qui est bon. Sur ce, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine avec Ethan Castellanos. Tan, 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 tan.